Olivier, Pavage de Laurent, la deuxième ligne avec Jourdain Anthony, Poitou de Jean-Paul. En troisième ligne, la Miss François-Xavier, Pino Luc qui est chargé d'attente. Et la quatrième ligne avec Gustave Franqui et Merlet. Tu vois les deux parties, c'est chiant, c'est pas un jeu de et c'est Maudre Olivier qui prend la première position. Suivi de Pavage de Laurent. Allez, en première position, on a Pedro Olivier, la deuxième place, pour la Laurent. La troisième place, pour Poitou de Jean-Paul, la deuxième place, pour la cinquième place, pour la sixième. La sixième place, et même à fois, ça joue entre le numéro 50 et le numéro 36. Oh là là, il a eu de la chance, numéro 36. En plus d'avoir failli finir dans le tas de nu, il n'a plus de place. Allez, donc en première position, on a Pedro Olivier. À la deuxième place, on a Pavage Laurent. Quelque chose me dit qu'il ne va rien lâcher. À la troisième place, on pointe Jean-Paul, la quatrième place pour le 2. La cinquième place pour Richard Jonathan, la sixième place pour le 26, la septième place pour le 36. La huitième place pour le numéro 50. La neuvième place pour le 14. La dixième place pour deux célèbres Francky. Oh là là, c'est chaud la première position. Mais Médron lui dit la conserve bien. Pavage de Laurent, il est extérieur, il ne peut pas passer. À la troisième place, on a Poitou de Jean-Paul. La quatrième place, Jourdain Anthony. La cinquième place pour 26, la sixième place pour 36. La septième place pour 50. La huitième place pour Merle et Thibault. Et ça se bagarre entre le numéro 50 et le numéro 50. Ah, c'est bon, Pedro Olivier a réussi à prendre un peu l'écart. Mais Pavage Laurent n'est jamais gagnant. À la troisième place, on a Poète Vino Jean-Paul. Putain, mais ils sont longs les tours. Allez, un peu. La quatrième place pour Jourdain Anthony. La cinquième place pour le 26. La sixième place pour le 36. Dehors FNJ, la septième place pour le 50. La huitième place pour le 14. La neuvième place pour le 17. La sixième place pour le 55. Et ça va être l'arrivée. Le drapeau à Damier va tomber. Ah, il aura tout tenté, Pavage de Laurent. Mais c'est quand même Médroit Alexis qui prend la première place. La deuxième place, Pavage de Laurent.